reflet d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. C'est un document qui est prévu par le code foncier et domanial pour le paysan en milieu rural, pour lui faciliter l'enrichissement de ses droits de propriété. Donc, les étapes, c'est que le propriétaire doit déclarer d'abord sa parcelle au niveau de la commune et les procédures que la commune doit mettre en place, doit amener le maire à lui délivrer ce document après avoir visité sa parcelle, mesuré, faire des mesures de sa parcelle, discuter avec les riverains pour s'assurer que la parcelle lui appartient réellement. Donc c'est à la suite de tout ce processus que ce livret lui est octroyé en termes de droits, en termes de documents, de propriété de sa parcelle. L'objectif de l'atelier, c'était de réaliser un lancement des tests d'expérimentation du projet LRAP au niveau de la commune et donc sur le site d'expérimentation. On a, à travers les propos du préfet, du maire, j'allais dire du représentant de l'OMCA Togo, on peut retenir globalement avec les échanges que nous allons démarrer ici à Wawa les tests d'expérimentation à travers une cartographie démarrée avec de l'imagerie, l'utilisation de drones pour prendre les images et des levées directes sur le terrain avec les populations. Les tests, comme je le disais, vont démarrer avec la cartographie. Nous avons un système de gestion foncière qui est en implémentation et nous aurons, avec les mécanismes coutumiers mis en place pour le règlement des conflits, à expérimenter tout ce qui est litige et conflit en instance sur le périmètre. Vous voyez, l'objectif, c'est d'arriver à décrire à travers les outils, les procédures, les règles et les normes, comment est-ce qu'on peut en arriver finalement avec l'expérience de Wawa et des quatre autres sites, des quatre autres régions du pays, à pouvoir sortir de façon globale les procédures qui permettent donc d'aller à la délivrance de livrets fonciers pour sur les terres en milieu rural au Togo, à moindre coût, avec des procédures plus faciles et moins complexes. L'autre chose, les préoccupations des femmes, à voir comment leurs droits peuvent être préservés, peuvent être confirmés. Et nous avons dit justement que nous avons un mécanisme d'appui, de facilitation,
hein, pour permettre que les droits des femmes soient des droits qui soient enregistrés, hein, et permettre que dans le dialogue communautaire, nous arrivons à trouver des mécanismes de partage des ressources foncières entre les hommes et les femmes. Nous avons entendu des jeunes qui étaient préoccupés de savoir combien ils pouvaient contribuer aussi à la réussite de l'opération, et nous leur avons dit combien nous sommes heureux de leur savoir déjà engagé et déterminé pour l'opération. Pour l'ensemble, nous avons eu également la question des réserves administratives où l'autorité a intervenu pour expliquer qu'il s'agit dans la phase de ce test de pouvoir identifier sur la carte les espaces qui sont déjà réservés comme réserves administratives, juste les identifier dans une sorte d'état des lieux. Voilà, c'est ce que nous voulons faire et que nous retenons globalement de cette séance qui, avec les autorités, les populations, les élus, les chefs coutumiers, nous montrent que l'engagement, la détermination, que tout est prêt pour véritablement démarrer ici à Wawa 2. Les populations de la commune Wawa 2 sont jetées à l'eau parce que c'est la première fois et sur 117 communes, c'est tombé sur 5 communes dont Wawa 2. Au départ, ça doit être difficile. Mais tout le monde ne peut pas encore comprendre. Vous avez vu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les débats, les gens ont pensé à une expropriation. Quelqu'un a dit même que par le passé, on est venu délimiter de grands espaces là, de vastes espaces, et que personne n'y rentre, personne n'y touche. C'est une expropriation. Ils ont donc, comme il y a ces souvenirs là, les gens ont pensé que ce projet aussi peut aboutir encore à une expropriation des terres. Donc il doit avoir réticence. Et par nos sensibilisations, chaque jour que nous sommes avec eux, chaque jour que nous viendrons leur expliquer le bien fondé de ce projet, à la longue et jusqu'à la fin, ils comprendront que ça n'a pas de rapport du tout avec l'expropriation, mais au contraire, c'est pour les rendre vraiment propriétaires de ce qu'ils ont. Moudakwe, Bessan, elle est sigbe, et nous tchomiadi, voire elle rapi abe, vava, et nabe, ohounou, le mianou. Ye oso o le so gbe le dasi na mi anyo nu obe ni ne mi va tutu do amelekia ya te nonko ne mi apo nu po na mi ato nyo nu o be nene fifia fia ha so nde so do to ame be nyo nu o chan ni do la po gome le mi ato ku mi ano ku mi ato gbe be ke so nu me ma te note le nyo nu obe nku me fifi la te gbe de jina obe fifia jidudua en na be mi anyo nu o chan mi apo gome le anyi ba be do me ni. Avant toute chose, je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, Fort Essor-Jinam, Niasigwe, et les promoteurs du projet pour avoir choisi sur les 32 communes de la région des plateaux la commune Wawa 2 pour abriter le projet RAP. Je dirais que notre commune, tout comme les autres communes, a besoin du projet RAP. Le grand problème que nous avons dans notre pays, c'est le problème foncier. Ce projet vient donc résoudre le problème dans notre commune en favorisant l'accroissement des investissements agricoles dans notre milieu.